Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Tandem Tale of Shadows. On a fait quasiment la moitié de la cuisine déjà, dans la douleur. Et cette fois, on va visiblement mettre des cubes à cuire de nouveau, mais en bouillon plutôt qu'en pizza cette fois. Pour l'instant, on n'a pas trouvé les méchants de l'histoire. On va certainement tomber dessus. Ok, donc là, je suis tout ralenti. Peut-être par du caramel. Je peux activer ce bouton là, pourquoi pas. Ici j'ai un truc lumineux que je peux bouger. Un bouton pour éteindre ça. Ce qui sous-entend qu'il faudrait que j'amène le cube ici d'une manière ou d'une autre. Ici on a une porte fermée avec des choses qui se débattent derrière. On est d'accord que là, ouais, je peux pas l'amener. Bon, faisons le truc a priori évident. Puisque le cube, je pense qu'il est trop gros pour qu'on l'emmène par là. Ah, peut-être que, quoique... Non, il est trop gros. On va donc le pousser par ici, voir ce qu'il y a. D'accord. Non, non, bouffe pas ton pote. Ça suffit. Non ! Oh là là, les morphales, quoi. Vite, 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 vite. Ah, putain ! Ah, le caramel de l'enfer. Très bien, je vois le délire. Vite, on va passer de l'autre côté. Non, il veut pas que je passe de l'autre côté parce qu'en plus il me coince. Et celui qui mange, je peux le prendre. Non, je peux pas le prendre, il se défend. Ah là 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 là. Et je peux pas les pousser plus. On peut pas découper plus les petits cubes. Ah non, mais il redescend ce con. Je voulais essayer de passer de l'autre côté, mais. Alors, si c'est évident, c'est que c'est pas ça. Quoique l'histoire de l'aide d'Alan Poe démontre le contraire. Qu'est-ce que je pourrais faire avec l'ours? Est-ce que tu penses que je pourrais faire un truc avec l'ours? Pour l'instant, il m'a l'air un petit peu coincé, le pauvre. C'est vrai que le fait que... Le fait qu'il y ait du caramel, ça laisse à penser que c'est fait exprès pour nous ralentir et qu'il y a peut-être autre chose à faire. Ah oui, est-ce que je peux les séparer là? Oui, t'as raison, t'as raison. Enfin, bon. Merde, j'étais trop loin. Hop. T'as tout à fait raison, Soren. J'en tire un là. Hop. Après, j'échange et bim. Voilà, il est coincé. Bien vu. Et salut, Poslovitch. Ouais, alors c'est un jeu d'horreur plutôt gentil quand même là. On va pas. Il n'y a pas trop d'horreur. C'est un jeu du vendredi un petit peu loufoque. Les trailers laissaient penser un truc un petit peu glauque, etc. Ça reste assez gentil. Franchement assez gentil. Chobiti est capable de rester à côté et de m'aider même alors. Bon. Va manger ton copain toi. Allez. Ok, maintenant qu'il a bien bouffé, je peux faire ça. Par contre je peux pas pouvoir. Non, je peux pas pouvoir faire d'ombre pour l'instant parce qu'il y a le truc qui gêne. On va l'amener ici par exemple. Je sais pas pourquoi, mais si, bah si, parce qu'une fois qu'il est là, il fait plus d'ombre. Donc je peux prendre lui, le monter là. Et donc faire un chemin comme ça. C'est parti, Femton, cours, petit cours. Hop là, et là, on se débloque. Ok. Alors, un brassage de cube. Très très bien. Il faut que Femton arrive ici, donc il faut que j'aille chercher mon cube. Hop là. Ouais, le gameplay est assez sympa, Poslovitch, j'avoue. Bon, là, ce soir, je sens que je suis un petit peu fatigué parce que je me galère un peu.
Voilà, merci. Merde, trop d'ombre. Je crois qu'il peut sauter là. Ouais, il peut sauter. Voilà. Alors, il pourrait continuer d'ailleurs. Parce que là, pour le coup, je vois pas trop à quoi je sers. J'imagine que là, ça me pousse. Est-ce que je me noie ? Oui. Je me noie dans le sucre fondu. Alors, toi, tu peux faire ça. Ok, ici, il va falloir faire des trucs. Moi, je pense que si je rush ici, je dois pouvoir... Ah putain, il coule les champignons. Très bien. Raté. Non ! Vous êtes sérieux ? Il ne m'envoie pas dans le vide, toi. Voilà, ok. Hop là. Ah, il me tire la langue, j'ai bien vu, hein. Ils sont vicieux, hein. Femton, il peut pas courir, faut avouer que c'est un petit peu compliqué. Bon bah toi du coup, on va te mettre là. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Une bonne chose de faite. Bonne soirée Poslovitch, merci d'être passé. Le domino. Alors, ici on a un mur de gelée, très bien. Là on a des robinets, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop pour nous. Donc déjà, Femton, tu peux monter. Mais tu peux pas passer, très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait si je le prends et que je le pousse sur ce truc-là? D'accord, il casse carrément le machin, et il va bouffer son pote. C'est brutal, hein, les gelées, déconne pas. Hein. Merci Soren. Alors oui, du coup il peut pas passer. Faut que je retourne là. Est-ce qu'il peut sauter du coup? Non, il peut pas passer. Ah. Alors est-ce que cette gelée là pourrait éventuellement faire un encore plus gros trou? Oui. Parfait. Par contre faut que tu reviennes gelée. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais... Ah, je peux pas mettre de clic souris, là. Ah, c'est dommage. Je voulais mettre le clic souris pour utiliser ma main droite, mais du coup... Allez, hop. Comme ça. Du coup... D'accord, ça commence bien. Il veut pas que je saisisse avec ma touche que je viens de mettre. Bah tu dois pouvoir passer là, non? Tu peux pas passer. Parce qu'il y a de l'ombre. Il y a trop d'ombre. Ok, alors allons par ici. Ici on se fait cramer la tronche mais on peut passer. Ah! J'ai avancé un chouïa de trop. Ça s'arrête ou ça s'arrête pas ça? J'ai l'impression que ça s'arrête pas. Ah, il y a un bouton là. Ah, mais oui, mais du coup, vu que je suis ici, je peux l'éclairer. Ouais, mais je me fais bouffer la tronche. Je pense qu'il va falloir que je retraverse les flammes. Oh, il est pas coincé là. C'est une blague. Alors, hop, hop, voilà. Et ensuite on vient ici, et on attend que ça remonte. Et là on est de nouveau coincé. Je peux pas aller ici pour l'instant, il faut que je retourne là-bas. Voilà. Bon, il est coincé dans l'ombre, vous êtes sérieux. Et on peut appuyer sur ce truc-là. Ok, on avance.
Voilà, et là on peut y aller et appuyer sur le bouton et on est sauvé. On fait avancer Fenton. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? On a un gros truc de gelée à casser ici. Alors, pourquoi ma touche pour saisir ne marche pas? Parce que le jeu visiblement ne veut pas que je mette cette touche. Ah non, il ne l'a pas pris. J'ai dû faire échappe, un truc du style. Très bien. Validé. Ok. Oui, ça fonctionne. Ok, reviens là maintenant. Fenton, c'est à toi. Alors, pour l'instant, tu peux descendre dans les pic-à-broches. Ça ne nous sert pas à grand chose. Tiens, ici il y a un truc pizzaïolé. Ok, il va falloir aller par là, donc il va te falloir une ombre de ce genre. Alors il y a deux ombres là. Fasse gaffe. Ça devrait passer, je pense. Oui, saute haut, notre petit ami Fenton. Déconne pas. Ah, faut que je l'amène là. Est-ce qu'il peut passer réellement sur, sur ces trucs là? Ah! Ah, il y a un petit trou ici. Peut-être faire des trucs. Ouf! Oh non! On a froid, on a chaud! C'est terrible! C'est un peu méchant quand même, hein. Lui, il est perdu au milieu de ses. De ces gâteaux. Allez. Là donc par ici. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté mais. Oh. La morgue de cube quoi. Oh les décors ils sont. C'est pas un scary game mais ils sont quand même sacrément loufoques. Hein. On veut pas dire le contraire. Ok, alors maintenant qu'on est là. Parfait. On a réussi à casser ce truc là, donc en fait toi tu peux rester là. À quoi ça nous sert? Probablement pour le faire descendre, mais on va faire avancer Fenton d'abord. Ah, il y a des pics à broche sur les côtés, quoi. Je suis pas sur une surface solide là. Ah, oui, d'accord. J'étais sur la gelée. Hop là. Donc ici, je vais pouvoir le faire descendre. Allez, par là. Alors, comment ça se passe? Il est coincé dans l'ombre. Mais non, il est pas coincé dans l'ombre là. C'est une blague. Voilà, et là il peut tomber. Et attraper le cristal. Ça vaut une petite gorgée de flotte tout ça. Sur le grill. Non, ils n'avaient pas suffisamment fait cuire les pauvres cubes. Ah bah oui, ils ont chaud, hein, regardez-moi ça. Oh non, il a été coupé en deux. Oh, c'est horrible. Et là ils sont en train de cuire. Oh les pauvres cubes. Bon Fenton, j'ai l'impression que ça va être à toi de commencer le fun. Ah c'est chaud. Ah c'est chaud. Ok. Ah putain. Ah mais ils sont complètement des synchros quoi. C'est hyper tendu. Allez, allez, remonte, 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 remonte! Il monte tout lentement! Non! Pourquoi tant de haine? Ah non, il est redescendu. Est-ce qu'on peut sauter deux d'un coup? On peut pas sauter deux d'un coup. Bon, ça passe pas là, visiblement. Là, hein. Ça passe absolument pas là. Il monte beaucoup trop lentement. Alors il y a quand même un cas, on voit là, où ils sont debout tous les deux côte à côte, parce que lui remonte et redescend. Ah, il faut peut-être que je recule. Ok. Essayez ça. Donc là on fait ça. Ensuite on fait ça.
Ensuite on... Oh putain, retourne là. Je pense que c'est ça l'astuce. Lui il fait des allers-retours super rapides, il faut qu'on s'en serve comme truc transitoire. Voilà, parce que du coup lui, là, il remonte. Ensuite lui, et ensuite... Ok, j'ai cru que j'allais tomber dessus, mais non, c'est en dessous. Très bien. Ça fait un peu flipper les multiples trucs là. Très bien, ça c'est fait. Donc ici on peut se faufiler, ok. J'ai glissé chef, c'est un peu ça ouais. Est-ce que c'est une blague ? Faut qu'on aille chercher le petit cube avec notre petit machin là. Visiblement il est capable de couper les flammes. Par contre j'en ai d'autres que je peux éventuellement. Mais si je le pousse là je vais me faire dépouiller la tronche. Donc ce que je peux faire c'est me préparer ici. Voilà. Ah mais du coup ça me coince. Du coup j'ai l'autre. Bordel. Hop, je passe derrière. Je me faufile. Oui, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir me faufiler. Il y en a 4 en haut, donc non, je suis obligé de faire le tour par là, il n'y a pas le choix. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, toi, on peut t'emmener genre ici. Ensuite, toi, genre ici. Celui-là c'est un qui fait sens. Par contre si je veux passer le cube il va me falloir plus de latitude. Où ça passe? Oh je me suis dit je vais me faire dépouiller mais non ça passe. Ah oui c'est vrai qu'il y a un truc là-bas pour... il y a quelque chose pour l'emmener le cube. Bah, je vais plutôt aller faire ça. Vas-y bouffe ça. Bon bah fastoche, moi qui pensais que j'allais devoir le ramener d'une manière ou d'une autre. Allez va par là, je suis sûr on va trouver un copain. Ok. Il y a un interrupteur mais on n'est pas du bon côté. Ah d'accord. Ah la vache. J'ai l'impression que ce jeu veut globalement ma mort. Salut Bibok, bienvenue sur live, comment vas-tu? Ouais je suis d'accord Ça, les pauvres cubes ils en chient un peu hein. Ok ça passe tout seul. Faut juste prendre le bon timing au début. Ah échec. Aïe. Et bienvenue Soda, bienvenue sur le live et bienvenue sur le Twitch tout court puisque c'est ta première fois sur ce chat. Ça fait bien plaisir de te voir. C'est chaud la synchro là. Donc là, 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 et là. Et on appuie ici et il va aller bouffer son copain. Voilà. Gros morphal. Voilà, on avance. Hop là. Et là du coup, on va pouvoir sauter avec cette espèce de menace de truc dessous nous là. Oula, est-ce que je peux sauter sur ces trucs là? D'accord. Je peux allumer le gaz ou l'éteindre. Alors on va voir à quoi ça, qu'est-ce que ça fait. D'accord, ok. Ah puis il y a un timer en plus. C'est parfait. Eh, il va falloir faire le tour en plus. Alors celui-là, il faut qu'on l'éteigne. Ah merde, d'accord, je tombe en plus. Non, celui-là, faut pas que je l'active. Cours, 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 cours. Voilà, bon, on a avancé un peu. On est un petit peu dans une situation compliquée. Celui-là visiblement il est désactivé. Ah, ils ont des éclairs autour d'eux.
Ben pour l'instant, on va dire que on peut aller jusque là. Celui-là, il faut qu'on le désactive. Mais on peut passer au moins. Voilà. Très bien. Donc ici, on a une clé. Ici, on n'a pas grand-chose. Il va falloir qu'on aille chercher la clé, ouais. Ça me paraît le plus légitime. Donc ça veut dire que il faut... Ah, je peux grimper par là. Ouais, ça sera tout à l'heure, ça. Ça s'appelle avoir le feu aux fesses, hein. Un petit peu, ouais. Faut avouer. Alors, celui-là, celui-là, celui-là non, celui-là non, celui-là oui. Cours, cours. Il y a un passage, il y a un passage, il y a un passage, il y a un passage. Un secret, jouer avec le feu. Le vrai visage de Madame Kane. Et ben effectivement, si son trip c'est se baigner dans des gelées fondues, elle a l'air pas tout à fait nette. Ah non, sérieux, je me fais brûler d'ici. Bon déjà sa cuisine a pas l'air tout à fait nette. Hein. Non mais pourquoi tu sautes pas? Ok. Il voulait pas sauter, c'est le genre de choses qui arrivent. Celui-là c'est bon, celui-là on l'active. Celui-là, on l'active. Cours, petite. Cours, cours, Emma, cours. Ça passe. Très bien, donc là, il va falloir que on active encore des trucs. Fenton, c'est pas loin de dormir. Ouh, c'est rapide. C'est rapide, il va falloir faire des synchros. Très bien. Non! Non, Emma, je suis désolé! Large, comme dirait Xebus. Au moins, ouais. Ah, faut que je sois sur une surface solide. Merde. On avance. Ça, on active. Allez, Emma! Tu es sauvée, Emma! Cours! Parfait, on a une gelée, faut le faire dans l'autre sens maintenant. Alors, on va retourner le tapis roulant tout de suite. Voilà. Alors, où est Fenton? Il est là, il est prêt, il est chaud bouillant, c'est parti. Oh, c'est tendu. Ça passe. Pousse, pousse, pousse! Pourquoi t'es coincé? Ah! Pff, large! Large! Ah, il s'est jeté sur son pote. Ah, c'est un truc à gâteau. Nickel. Ils ont l'air bons ces petits gâteaux quand même, faut avouer. Hein. Ok. On a le cristal. On descend là, on saute un coup, on saute un coup. Allez, on trinque au signe. Autour du pot. Bon, ça va, à part la deuxième énigme, on a galéré globalement, ça s'enchaîne bien. Alors, est-ce que je me noie si je vais là-dedans? Visiblement, non. Ici, je peux éventuellement passer, mais ça a peur de s'arrêter, ça. Fenton, tu peux sauter sur ce truc-là. Enfin, probablement. Sauf que c'est fermé en haut. Enfin, à gauche, il y a des cubes tout morts là. Bon, visiblement, je vais pouvoir descendre ou monter. Le problème, c'est que je vois pas par où commencer pour l'instant. Ici, c'est fermé. Pour l'activer, c'est là. Ici, c'est fermé. Est-ce que lui, il l'activerait pas par accident? Non, le bouton va totalement par là-bas. Ici, je peux peut-être descendre avec Fenton. Ah, on le voit planté sur les trucs, quoi. Ouais, voilà, je peux descendre ici.
Ensuite, une fois que je suis là, je peux faire ça. Ok, ça m'active un truc par ici. Non, absolument pas. Qu'est-ce que ça active? Ah, ça a coupé le... Putain, je pensais qu'il y avait le chemin vers l'interrupteur, mais non, en fait, ça coupe les flammes, autant pour moi. Alors, est-ce qu'il y va tout seul? Tant que c'est ouvert. Ah merde, non, il y va pas. Je peux sortir le bébé par là, du coup, on va le choper, on va l'emmener par ici. Allez, petite gelée. Ah. Ok, admettons. Ah, elle va sortir peut-être. Ok, celle-là elle sort. Nickel. Femton. Active-le à fond s'il te plaît. Allez, ne meurs pas. Ce n'est pas obligatoire de mourir, je te l'assure. Ok, on a récupéré une gelée, c'est plutôt cool. Visiblement, elle ne meurt pas. Ok, on peut l'activer là. Alors par contre, faut que Femton y remonte après. Peut-être en passant à côté là. Ouais, mais alors du coup... Ouais, moi je pourrais pas remonter s'il est pas là pour activer le truc. C'est-à-dire qu'il va falloir... sacrément rapide du coup, parce que là faut que je passe, il faut qu'il saute, il va falloir qu'il saute sur le truc pour grimper. Ok, donc on va essayer de se synchro. Ah, c'est hyper loin. Peut-être qu'il faut que je descende un petit peu plus pour lui faire une ombre, hein, pour qu'il puisse grimper. Je peux faire une ombre. Ouais, vite fait quand même, hein. Ah ! Bordel. Ok, ça c'est bon. Ah, faut que je sois sur une surface solide. Ah non! Ok, donc il faut que j'arrive à faire une onde tout en activant ce bouton. Un truc comme ça, du coup. J'aime bien la petite musique flippante. Tout à fait adéquate. Allez, grimpe, 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 grimpe. Saute. Maintenant à toi. Cours, 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 cours. Ça passe. Large. Super large. Alors maintenant, on peut aller par ici. Non, on peut pas aller par ici, parce qu'on n'a pas activé le bouton. Hop. Oh, ils sont en train de griller vivant les cubes derrière, quoi. C'est horrible. Ok, on va attendre que ça soit bien tout descendu. Il me tire la langue, ce con. Non mais oh, quelle malpolitesse. Vous avez vu ça? Et nous qui nous attendrissons pour eux, quoi. Alors là, on va pouvoir activer les deux, j'imagine. Ok, peut-être. Du coup, on trace, on chope lui, on chope lui. Tu veux pas choper lui? Chope-le, s'il te plaît. Merci. Là, ils vont se bouffer entre eux. Et on peut redescendre. Ici... pas grand chose, est-ce qu'il serait d'accord pour le bouffer lui? Ah bah surtout qu'ils peuvent pas passer là. Non, ils peuvent pas bouffer ça. La musique est fort semblable à celle de Alice au retour, de retour au pays de la folie. C'est vrai que la musique est un petit peu... comment dire... Ah mais je peux directement tomber en fait. Ah bah oui, je me disais faut que je la ramène de l'autre côté et tout, mais non je peux tomber. Globalement le jeu, on n'est pas sur un jeu d'horreur, hein, mais il est fait pour être un petit peu malsain. Pareil, on n'est pas sur du Little Nightmare à ce niveau-là, mais il y a quand même un petit peu de concept du style, quoi. Alors genre c'est hyper malsain ça par exemple. C'est super malsain.
Ah! Je peux pas prendre Fenton, rien ne se passe. Je suis perdu dans une immense neige de crème glacée. Parfait. Fenton! Même les sapins de Noël, ils chantent. Oh! Ils ont kidnappé Fenton! Et voilà, juste un moment où on disait c'est gentil et tout, maintenant ils veulent bouffer Fenton, quoi. Oh non! Quelque chose me dit qu'il va vouloir me bouffer. Il est coincé là? Absolument pas. Ah tu vois Squash, hein, il suffisait de dire que c'était gentillet et d'un coup c'est l'enfer quoi. Vous êtes sérieux? Ah! Oh, elle m'a découpé, t'as carrément découpé en deux quoi! Sérieux! Ah, c'est chaud! C'est hyper fin quoi! Ça passe. Il est toujours derrière moi là? Oh, il y a des cookies qui tombent, c'est trop gentil. Ah oui, visiblement, il est toujours derrière moi. Quelque chose me dit que oui, voilà. Ah, zut, je pète assez rapide. Non, il me rattrape! Tombé. Fus. Cours, petite Emma, cours. Ok, ça passe. Ah, je sens que ça va être plus compliqué là. J'y vais à l'instinct. Voilà, hop, ça passe. Ok. Très très bien. Ah oui, putain, il y a un chemin de crème glacée là, j'avais pas vu. Je me suis fait becter la tronche. Ok, on va par ici, ensuite on redescend. Non, oui, peut-être. Ok, je peux directement faire ça. Ouh, ça passe, ça passe. Ça passe large, ici. Oh non, du caramel pour me ralentir. En plus, il y a des petites... des petits trucs. Pourquoi il y a des cookies là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cookies? Ça passe là. Pourquoi il se fait pas découper hein, lui? Vous pouvez me le dire? Il mange même les couteaux, me dit Chobiti. C'est un problème. C'est un problème, il a mangé Fenton et les couteaux. Bon bah là du coup on traverse le caramel, hein. On peut se permettre un petit caramel, on a de l'avance. Lynn, you're home! Well done! That wasn't as scary as I thought. Oh my Fenton, here you are! Are you alright? And it looks like you have the key! Comme ça! Ouais, bon, ok, admettons. I have had enough Swedish for one day. And I was hoping to find new clues about Thomas. Ouais, un petit peu facile quand même. Mais bon, j'acquiesce. On est arrivé à l'horloge. Très bien, bon, on va arrêter l'épisode de VOD là. Est-ce qu'il est suffisamment long? J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Et comme d'hab, je bois un petit coup si le chat veut dire au revoir à la VOD. Et merci à toutes et à tous.